Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour Little Nightmares, je vais découvrir complètement le jeu avec vous. Donc eh bien, c'est parti. Hop. Oh mon dieu. On est où là? On est dehors? C'est la fin? Pfiou, c'est ça. GG, chapitre 4? Ah, il y a plusieurs chapitres? J'étais même pas au courant. Trop de stress, c'est ça. J'arrive à la fin? Attendez, monte l'échelle. C'est la fin? Je vais sortir du bateau là où je suis déjà. Ah, par la fenêtre! Mais attendez, on est à l'intérieur du bateau? Ouais, on est à l'intérieur du bateau. Quelle question débile. Le grand air marin, mes amis, il n'y a plus de chapitre. Regardez l'eau, oh, c'est magnifique. Regardez. C'est beau, hein, ça donne un peu le mal de mer. Oh merde. Oups. Attends, pourquoi on va re-rentrer dans le bateau là? Ah mince, c'est pas la fin? Oh non, je croyais qu'on était libre. Attendez, c'est bientôt fini ou pas? Je croyais qu'on allait re-rentrer par le petit trou, mais non. Ah, on entre par le trou là-haut, d'accord. Oula, le son il est un petit peu fort, hein. Vous en pensez quoi? Il y a des gens qui sont sur un bateau, qui rentrent dans ce grand bateau où on est. Ouais, merci infiniment, Becca. Merci pour l'info. Oh, il y a une mouette, 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 mouette. Ben nous, on reste avec nous. Enfin une figure familière, dis donc. Enfin, familière. Ah, regardez les gens. Oh là là. Ça fait bizarre parce que nous, en fait, on est super méga maigre et tout. Excusez-moi. Et eux... Bah voilà quoi, excusez-moi, mais... Ça vous fait pas un petit peu penser à certains trucs japonais comme ça, justement? Notamment dans... Dans certains univers, le son est un peu fort car on entend un peu moins ta voix. Ah! J'ai failli tomber. Si jamais vous voulez que je mette le son moins fort, n'hésitez pas à me le dire. On est où là? Ah, ils rentrent là? Est-ce qu'ils vont me voir si je passe là? Faites qu'ils m'attrapent pas. Ils m'attrapent pas. Y'a. C'est qui elle? Regardez le toit, comment il bouge quand il marche. Je sais pas si vous avez vu. Regardez. C'est bizarre. Les petits détails, les lanternes et tout. Et là, on dirait une japonaise. On est d'accord. On est au Japon, soudainement. Ouais, regardez les toitures et tout, là. Les lumières, un petit peu. Alors, attendez. Jumping puzzle. Ok. Ah ouais, non mais là, même les portes coulissantes et tout, là. On est trop au Japon, les gars. Je me planque parce que j'ai peur. Oh, la bouffe, regardez-moi, ces tartes et tout, ça me donne faim. Ça vous donne faim, à vous aussi, ou pas? Oh, ça donne trop faim. Qu'est-ce qui se passe, un restaurant? Ah ouais, c'est un restaurant. Eh mais là, faut qu'elle mange là, en fait, si elle a faim, Six. Oh, les tartes et tout. On dirait une tarte aux fruits rouges. Est-ce que ça vous fait penser un petit peu au restaurant dans le voyage de Chihiro ou pas? Oula, oula, j'ai peur. Je m'en étais. Je sais pas. Cours. Il m'a bouffé. Direct. Oh, mais arrête toi là. T'as déjà plein de bouffe sur ta table, espèce de gros glouton. Là. C'est pas possible. Non mais il nous suit en plus, il lâche pas le morceau, espèce d'enfoiré. Je
Faut que j'aille où? 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 Oh my god, faut que j'aille où? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Oh non, faut que j'aille sur la table et que j'escalade les assiettes encore. Oh mon dieu, quand tu es de la bouffe, tu n'as vraiment pas envie d'aller sur la table. Ok. Non, 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 mais madame, vous avez déjà plein de bouffe juste devant vous, là. Vous me le faites exprès. Attends, j'attends que la lanterne se rapproche d'un petit peu. Arrêtez, madame, vous êtes ridicule. Arrêtez, madame, enfin. Est-ce que c'est bon ou pas? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Elle devient folle à faire les crises cardiaques. On va éviter de toucher aux chaises, etc. Ah, oh, viens, câlin, câlin, s'il te plaît, j'ai besoin moi-même de faire un câlin. Parce que je suis tellement stressée, mon ami. Non mais attends. Mec. Ah, faut que je pousse ça, j'imagine. Je pousse. Ouais, c'est ça. S'il te plaît. Câlin. Ah, tu m'attends? Ouais, s'il te plaît, câlin, s'il te plaît. Waouh. Ah, ça fait du bien de faire un câlin, même si c'est juste dans un jeu, parce que là, le stress intense, je peux vous dire. Ah, oh, tu veux bien en faire un autre? Ouais, merci. Ok. Maintenant, je suis censée aller où? Attends, faut que je vois un truc, moi. Je vois rien. Tu nous suis? On est potes? Ok. Par contre, je crois que c'est pas le bon endroit. Désolé, mec, faut que j'y aille. C'est sympa par contre. On a glitch le jeu, tu penses? Alors attends, me dis pas qu'il faut que je retourne sur la table. Oh non! Oh non! Ok! Ok. Arrêtez, madame! Tellement feignasses et tout, ils sont même pas capables de se lever de leur chaise pour essayer de m'attraper, tu vois, ils sont juste avec leurs mains. Oh non. Ok. 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 Nananana. C'est bon, c'est bon. Ok, je me déstresse, c'est bon, je suis passée, c'est bon. Oh. Yes! Monte, c'est bien. Ok. Faut que je saute sur le plateau, c'est ça? Attendez. C'est ça, faut que je saute sur le plateau? On va attendre qu'il se rapproche un petit coup. Là, si tu as faim, tu manges maintenant. Ouais. Mange. Non. Oh. Faites qu'elle ait pas faim plus tard. Ok. Ça s'est passé. Faites que j'ai pas à le refaire plus tard, s'il vous plaît. J'ai intérêt à pas mourir. Hein? Je suis installée où là? Est-ce que je suis censée passer ça? Bon, je crois que je vais être obligée de passer par là. J'en ai très envie. Non, regardez comment elle s'engloutit cette saucisse. Vous avez vu la dame? Viens à la Benoît, c'est ça, voilà, c'est ça. Ensuite, je monte là. Voilà la porte. Oh mon dieu, t'es sur là, t'es sur le. Ah.
Ok. Oh, il y a une poupée ici. Hein? Il y a quelqu'un qui arrive. Attends, j'étais pas prête à te voir, toi encore. Hé, je croyais que t'étais mort. Non, t'es pas mort. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Encore ces histoires de toilettes et de PQ. Merci beaucoup, Lloyd, merci. Pour avoir autant de PQ, ça veut dire que ils font beaucoup poup-poup. Hein. Ou dans l'évier. Ouais, c'est ça, dans le miroir. Oh, elle marche sur le verre et tout, pieds nus. La chaise. Les barres. C'est ça, c'est ça. Oh. Alors c'est bizarre, attendez. Ouais, c'est ça. Vous entendez la musique, comment c'est horrible. En fait... Ça fait vraiment... On se croirait dans un cauchemar, effectivement. Pas sur le bon tuyau, là, on est d'accord. Là, j'y suis. Hein. On est d'accord. Hein. S'il te plaît. C'est horrible. Il y a une poupée là à casser, on va la casser. Voilà. Merci. Faut que j'aille dans l'ascenseur, c'est ça? Est-ce que... On va juste prendre l'ascenseur, on se prend pas la tête. Est-ce qu'il faut que j'active le truc ou pas? Non? Ok. Je vais arriver. Où ça? On va allumer ça, voilà. Voilà, c'est parfait. Mais attendez, il y a un truc? Il fait du bruit là. Oh, c'est pas grave, on va pas y aller. Voilà. On va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Non mais les gars, vous avez plein à manger déjà, en bas et tout. Pourquoi ils sont tous après nous là, on est squelettiques et tout, on est pas bon. Y'a même pas de viande sur nous. Y'a rien. Là, on se retourne avec... Ah! Non! Oh my god, attendez, il faut que je me remette un petit peu de mes émotions. Oui! Ok, est-ce que je peux passer la porte là ou pas? Oh my god. Merci, Becca! Danny? Non, meurs pas là, s'il te plaît, c'est pas le moment. On a passé un truc... Est-ce que si je meurs là, je dois refaire le truc? Alors tout sauf ça, s'il vous plaît, tout sauf ça. Non! Mange vite, vite, faut que je trouve un truc à manger. Hein? Danny, I'm sorry, I really don't want to die here. Oh, il me donne une saucisse, tu adores, merci. Vite. Mais vite! Oh non! Oh non! Mais elle est horrible! Il était gentil en plus, il nous donne une saucisse! Que ça baisse dans mon estime, hein. Je suis désolée, mais là, franchement, bah, je suis choquée.
la lumière. Elle a tué un petit lutin. Ah, oh, c'est la japonaise. Attendez, j'ai envie de voir s'il y a quelque chose là-bas, moi, avant. Non. Ah, si, 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 il y a une poupée. Oh, c'est pas vrai. Mais attendez, c'est des poupées japonaises qu'on casse depuis tout à l'heure, donc c'est sa poupée à elle, non? Est-ce que là, il va me faire un truc ou pas? Non, c'est bon. J'imagine que je dois aussi prendre l'ascenseur. Je sais pas si elle est gentille ou elle est méchante. On va dire qu'elle est méchante. Non, la plupart des gens ici sont méchants. Il y a quand même... Les lutins, ils sont gentils avec nous. Il y a quand même quelqu'un qui nous a lancé la nourriture, qui nous a jeté la nourriture. La première fois où on avait faim. Ça fait peur, ça. Normalement, Knight a reçu des points de chaîne, Danny m'a dit. Est-ce que tu les as bien reçus? Ouais, je suis dégoûtée pour le lutin. Non, il va falloir. Vous entendez? Quelqu'un qui chante, qui fredonne. T'as reçu, ok, c'est bon. Oh non. J'aime pas les fantômes qui chantent comme ça ou les gens qui chantent comme ça. Est-ce que c'est une fantôme japonaise par hasard? J'en ai la chair de poule. Je sais pas si ça se voit. Parce que. Je déteste ça. Je déteste ça. Est-ce que je peux passer là par hasard? Je peux pas. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Elle se fait les cheveux, d'accord, c'est très bien. Fais-toi les cheveux. Son miroir, il est cassé. Pourquoi ça... Elle se fait les cheveux devant un miroir cassé. Tout va bien. Ah ouais, elle a même une poupée japonaise sur sa table. Mais moi là, j'y vais pas, hein. C'est mort. Hein. Tu sens qu'elle one shot? Comment ça? Je peux me cacher sous le lit peut-être? Pourquoi pareil, les tableaux, il y en a plein qui sont cachés avec des toiles ou je sais pas quoi. J'imagine que ça c'est son lit. Est-ce qu'on a envie d'aller dans son lit? Peut-être pas. Hein. Est-ce qu'on peut se cacher sous le meuble au cas où? Ouais, on peut. D'accord, je sais où me cacher. J'imagine que il faut un truc avec le vase qui est là. Je parie puisqu'il y a un œil dessus. Arrêtez de chanter. Arrêtez de chanter. Je prends la clé puisqu'apparemment elle ne vient pas. Vas-y, on prend la clé et on se cache. Elle vient pas, elle vient pas, elle vient toujours pas. Je me cache sous le lit. C'est bizarre, il y a des tableaux qui ont été décrochés aussi, vous voyez, au-dessus de la table de chevet. Bon, eh bien, écoutez, on va y aller. En plus, il y a des statues et tout, ça fout encore plus les boules. Je suis coincée. Ah, pardon, j'étais pas en face de la porte. Excusez-moi. Tout va bien. Est-ce que j'étends la poupée ou pas? J'ai peur. Mais vous savez quoi? On va tenter. On va tenter. Est-ce que je cours? Elle est pas là.
Vous pariez que ça reste très marre avant nous. Je suis sûre qu'elle va être après nous à je sais pas quel moment. Ça se trouve, elle va être derrière la porte. Attendez. Vite. Et regardez. Ah! C'est ça, c'est une putain de fantôme japonaise. Super génial. Désolée que j'ai dit des gros mots, mais je déteste les fantômes asiatiques. Ils me foutent les boules. My god, on est... Qu'est-ce que c'est que ça? J'adore les Asiates. Je suis passionnée par le Japon, j'ai... Juste au cas où, parce que dans les commentaires, il y en a qui... Ah. Ma mère est même... vietnamienne, j'ai de la famille viette et tout, donc je suis pas du tout raciste au cas où. Je préfère juste dire. Parce qu'on sait jamais, ça peut partir loin. Ok, on peut aller là, c'est génial. J'ai même enseigné le japonais en plus de l'y étudier, voilà, ok. Comme ça, j'espère que les choses sont claires. C'est pour ça que j'adore le Japon derrière. Par contre, les fantômes asiates me foutent les boules. Mais à un point, pourquoi il y a un miroir qui est pas cassé là? Les mannequins me foutent les boules aussi. Alors je sens qu'il va falloir... Mais attendez, il est cassé ce miroir là aussi ou pas? Ah ouais, il est cassé. Donc en fait... Elle aime pas les miroirs, donc il va falloir se battre avec elle avec un miroir, c'est ça? Elle est là. Est-ce qu'il faut que j'attende qu'elle s'en aille? Faut que j'attende qu'elle s'en aille. Ah, la lumière avec le miroir. Est-ce qu'il faut lui refléter le miroir dessus? On va essayer. Si c'est pas ça, eh bien écoutez, c'est pas ça. Oui, la lumière? Pourquoi la lumière, elle a disparu? Elle est là, la lumière. La lumière est là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vite, le miroir! Vite, le miroir! Vite. Prends le miroir, s'il te plaît, vite! Prends le miroir! Ya! Où est la lumière? La lumière est là. La lumière est là! Oh my god! Faut que je le fasse combien de fois? Je l'ai fait deux fois. Où est la lumière? La lumière est là. Merci. La lumière est là. Où est-elle? Elle rôde autour de nous. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je veux même pas me battre avec toi. Mais non, je lui ai montré mon miroir. C'est de la triche. Et... J'ai été bien tournée dans sa direction avec le miroir. Vous êtes d'accord? Ok. C'est bien. Elle apparaît sur la droite. Vas-y, prends vite le miroir. Six, on va là-bas. Et là, elle va apparaître, je crois, sur la gauche. Au fond. Voilà, c'est ça. Sur la gauche, au fond. Vite. Prends le miroir. Six. Vite. On va par la gauche. Si elle fait pareil, elle devrait apparaître sur la gauche devant. On est d'accord. Voilà, elle refait pareil que tout à l'heure. Ça. Ok. Ensuite, prends le miroir. Miroir, beau miroir. Qui est la plus belle? La lumière, elle est où? Elle est là. Vite. Attention! Moi aussi, elle va beaucoup plus vite là. Oh my god. En bas à droite. Ok. Prends le miroir. Vite. Ok. Prends le miroir, s'il te plaît. Vite.
On l'a eu ? Merci, merci. Attends, ça se trouve. Est-ce que tout va bien ? Elle est sur le sol. Elle se relève. Vite. Ah, j'ai faim. Faut aller la bouffer. Je crois qu'il faut aller la bouffer. C'est bizarre, il y a des insectes qui vont à elle et qui ressortent d'elle. C'est bizarre. Vite. Six. Allez, dépêche-toi. Je crois que... Attendez. Merci Becca, merci Emma, merci Knight. Merci beaucoup, merci. Ah, c'est quoi ça? C'est des âmes qui vont à elle? Ou à nous? Alors, est-ce qu'on est devenu cette dame, en fait? Si, que ça allait assez monstrueuse aussi, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Mais à partir du moment où je l'ai vu tuer le petit lutin, je dis oula! Elle est pas si mignonne que ça, hein. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Oula! On est devenu le prochain méchant. On est devenu le prochain boss. Les mouettes. Ça veut dire qu'on est enfin libre alors? On sort? C'est la fin? Oh ben eux aussi vont être libres alors. On est toujours en haut des escaliers. Fin du jeu? Merci, merci beaucoup, Becca. Qu'en avez-vous pensé? Waouh, la musique est magnifique aussi. Mais ouais, j'ai bien aimé. Parce que même si c'est super méga stressant, l'univers est pas mal. On est vraiment plongé dans un univers intéressant quand même. Avec les décors et tout, c'était magnifique. Les pièces que j'ai préférées, c'est les pièces justement de maison. Vous voyez, quand on est dans des chambres ou quand on est dans le restaurant japonais, alors, entre guillemets, qui fait vraiment penser au voyage de Chihiro. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et par contre, au niveau du scénario, j'ai pas très bien compris, en fait, qui sont ces personnages. Alors, j'imagine qu'ils travaillaient tous pour cette dame japonaise. Je pense qu'elle était la boss du navire. Et après, je sais pas, est-ce que les enfants étaient capturés pour être transformés en nourriture? Et peut-être que les gens raffolés de cette nourriture, en fait, sans peut-être savoir que c'était de la viande humaine. Et puis après, ils sont devenus tellement friands que même s'ils savaient, ben, ils s'en foutaient. Je sais pas. Mais en fait, nous, est-ce qu'on est devenus, du coup, cette dame japonaise en la vainquant?
Et est-ce que peut-être elle avant c'était une petite fille comme ça, pareil. Enfin, on sait pas en fait si c'est une petite fille ou pas. Et qu'elle a vaincu la propriétaire du bateau avant et qu'elle a pris sa place. Est-ce que c'est un roulement comme ça? Je sais pas. Le jeu est développé en Suède? Ok, Becca, merci beaucoup pour l'information. Mais voilà, je me pose des questions au niveau du scénario. Je sais pas comment vous l'avez interprété. Mais on a bien vu que y avait des moments, moi, je pense que c'était des enfants dans des lits, je ne sais pas si c'est le cas. Et après, j'avais l'impression du coup que c'était les enfants qu'ils mettaient dans des... qu'ils enveloppaient dans des draps blancs, comme pour les momifier, et pour en faire après de la viande, qui se ferait après manger sur le bateau. Donc moi je l'ai interprété comme ça, je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça, je serais curieuse de vous lire, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, voir un petit peu les interprétations de tout le monde. Ah, c'est pas la fin? Voilà, la porte avec l'œil, là, qui est là. Merci d'avoir joué. Eh bien, de rien, merci d'avoir créé le jeu, hein? Merci, merci. Avec la mer. Et voilà, c'est la fin du jeu. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, je vous remercie d'être venu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si jamais vous voulez me soutenir, ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important, et je vous dis à bientôt !